François Burgard, bonjour. Bonjour. J'ai suivi à la télévision ou sur Facebook, et j'espère, pour ne rien vous cacher, venir suivre un jour en direct ces auditions, parce qu'elles ont, à mon sens, une portée absolument exemplaire. D'abord, je vais vous dire du fond du cœur, je pense que la Tunisie est en train d'écrire une très belle page de son histoire et qu'il y a très peu d'exemples contemporains de ce réalisme et de cette lucidité. Ce qu'a vécu la Tunisie n'a rien d'exceptionnel. C'est une fracture profonde au sein du tissu politique, d'accord ? On peut le comparer à des tas de blessures. La France a écrit des pages, enfin non, a vécu des pages noires, le phénomène colonial. Comment on fait pour dépasser ces fractures, ces blessures, ces hontes ? Pour tourner une page, il faut l'écrire. Pour cicatriser une blessure, il faut la mettre au grand air, sinon elle s'infecte. Hein ? Et donc la meilleure façon de permettre à la société de se reconstruire par-delà cette fracture, c'est de gérer très réalistement les responsabilités, hein, de les désigner sans haine, sans passion, mais de façon explicite. Je reviens quand même à l'exemple français, c'est ce que les Français ne sont pas capables de faire pour la période coloniale. Jusqu'à tous nos candidats à la présidence de la République, Sarkozy en 2007 a parlé du rêve de civilisation, Fillon en 2015 a parlé de l'échange des cultures, de la volonté d'échange des cultures. Tant qu'on en est là, tant qu'on n'est pas capable d'écrire, écrire ça ne veut pas dire se rouler dans la cendre, se renier, ça veut dire reconnaître la part de responsabilité de ceux qui doivent assumer certains écarts à l'égard de l'éthique telle qu'énoncée internationalement. Eh bien, ce que fait la Tunisie, qui pourrait être encore plus actif, mais qui a déjà une portée symbolique exceptionnelle, c'est très beau, c'est très rassurant.